Hello, hello les petites pousses, je vous souhaite la bienvenue au Centre Jinko avec Bibi Suzanne pour garder ensemble les énergies qui vont nous accompagner ce mardi 6 décembre 2022. Et pour ça, on va y aller avec l'oncromancie que je vous invite aussi bien sûr de votre côté à faire aussi votre petite lecture. Juste une petite aparté, quand on est en séance privée, hein, je dis juste... Vous oubliez de me dire que vous voulez une tache d'encre ou alors une lecture de café d'Omancie. Quand on fait les séances en visio, dites-le quand vous prenez des rendez-vous, quand vous, voilà, que vous voulez ou de la cartomancie, taromancie, encromancie ou café d'Omancie. D'accord? Que je puisse vraiment préparer un petit peu le tout à l'avance parce que c'est pas je vais tirer un café et puis voilà. Hein. Comme la tache d'encre, c'est la même chose. Donc, demandez quand même les choses un petit peu à l'avance. Parce qu'après, des fois, c'est un peu tard. D'accord? Juste, voilà, je finis mon petit... je ferme la parenthèse. Allez, on arrête les conneries. J'espère que vous êtes au taquet comme moi pour Noël, quoi. Hein? J'attends plus qu'une chose, c'est la neige. Et puis après, on est bon. Allez, on y va. On arrête de raconter de la connerie. Et on va travailler la moindre. C'est parti. Alors, sur le côté ici, sentimental, là, je ne parle pas de ceux qui ne sont pas en couple ou qui sont célibataires. Là, je parle vraiment pour ceux et celles qui sont en couple. On est ici dans la même ambition par rapport ici à un bien matériel ou alors à une évolution de vie, tout simplement. On est ici avec du jaune. C'est ici ben, tout ce qui concerne un petit peu les finances, l'opportunité, la possibilité hein, pour avancer, pour accroître un petit peu ce qu'on aurait envie d'entreprendre et de faire. Et on voit qu'ici, avec sa douce moitié, on est sur la même longueur d'onde, hein, sur le même objectif. Et tout simplement, il n'y a pas de souci pour ne pas y arriver. Hein. D'accord? Malgré que peut-être auparavant vous avez essayé, quelque chose ici est venu perturber votre élan et vous avez dû mettre un petit peu ça en un petit peu aux oubliettes dans le sens comme ça, mais maintenant vous pouvez à nouveau ouvrir ce tiroir et lui redonner sens, lui redonner vie. On nous parle ici d'une signature hein, pour aujourd'hui, en lien ici avec un projet que vous avez en commun avec quelqu'un qui partage les mêmes idées, les mêmes envies, les mêmes ambitions que vous, d'accord? Vu que c'est du rouge, puis quand même un chouïa de noir, ça peut être en lien avec un domaine professionnel, mais c'est aussi, et j'ai plus l'impression que c'est en lien avec un projet familial, d'accord? C'est pour ça que je me permets de vous parler comme ça. On voit que ici, hein, je vous ai dit que par le passé, il y avait quelque chose qui avait dû être mis aux oubliettes. Hein, on a vraiment ici ce serpent, entre guillemets, qui est en prêt à attaquer. Donc, peut-être que vous avez dû stopper. Et puis ici, il n'en est rien, hein, vu qu'il devient vraiment ici une canne, un appui, une aide pour pouvoir ici accéder à plus loin par rapport à vos ambitions. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors, vous pouvez me dire que vous m'avez oublié. Pour certains, vous allez recevoir, c'est peut-être un anniversaire aujourd'hui. Hein. Vu qu'on parle ici d'un collier, peut-être que vous allez recevoir un cadeau, un collier. Mais ça peut être aussi en lien avec une transmission ici familiale. Donc, peut-être qu'on va ici te transmettre un objet familial qui est transmis de génération en génération. D'accord. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Vous allez peut-être apprendre la gestation d'un petit garçon. Donc voilà, peut-être que maintenant on y voit vraiment le sexe de l'enfant et c'est vraiment un petit mec qui est en préparation, en finition, comme je le dis. Qu'est-ce qu'on a d'autre ici? Alors, là, on voit très clairement que vous avez un sacré manque de confiance en vous, encore et encore, d'accord? Et déjà par le passé, vous aviez et vous avez, enfin, vous avez eu besoin qu'on vous pousse, qu'on vous dise, allez, vas-y, continue, c'est bien, tu vas y arriver, d'accord? Et après, ben voilà, la vie, elle a fait que ça ne pouvait pas jouer, c'était pas le moment où, voilà, hein, il y a eu des choix qui ont donné un petit peu des conséquences.
Voilà, on a dû stopper. Et là, maintenant, il y a à nouveau cette opportunité identique. Ça veut dire que vous vous retrouvez face à la même porte, d'accord? Et à nouveau, il y a besoin qu'on te dise, vas-y, n'aie crainte, tu vas y arriver, tout va bien se passer. Il faut que vous ayez confiance en vous, d'accord? Alors, je dis que c'est trop facile à dire, il faut que machin, ayez foi en vos capacités, ça c'est important, d'accord? Et surtout, ben, ils sont derrière pour vous protéger, d'accord? Après, c'est clair, à un moment donné, ben, tu as dû stopper, tu n'as pas pu continuer, tu n'as pas pu avancer. Donc, c'est clair que ça remet énormément en question. L'ego, il en prend un coup. Ça, c'est tout à fait normal. Mais dis-toi que c'était peut-être ça la leçon que tu devais comprendre. Mais c'est pas pour autant que ton rêve, il est inaccessible. D'accord. Pour ça qu'on se retrouve ici face à la seconde, à la même porte. C'est une seconde chance, mais la même porte. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors ici, on est dans la construction. Alors, oui et non. Ici, dans le passé, on voit que vous avez construit. D'accord? On a un mur. Ça nous parle ici de construction. Ça nous parle ici ben, d'élévation, de mise en route, d'accroissement hein, dans le domaine professionnel ou sentimental, quelque chose qui vous tient à cœur. Lequel, eh bien, à force de faire pour les autres, eh bien, ça vous a porté préjudice. Hein. C'est clair que si tu montes les murs pour les autres et que tu t'oublies toi le jour où il pleut, ben, les autres, ils sont tranquilles chez eux, puis toi, tu es au froid et puis à la pluie. Hein. Juste pour que vous compreniez un petit peu ce que je veux dire. Et là, on voit que c'est vraiment quelque chose d'acquis. Tu as vraiment compris la leçon parce que là, le mur, il y est. Hein. Ça veut dire que tu construis ta protection, hein, tu te barricades. Mais pas couper des autres, d'accord, ça n'a rien à voir. Mais par contre, on voit que tu es plus aux aguets, d'accord. On voit ici qu'il y a du monde qui vient demander, mais là, tu vas prendre le temps plus de réfléchir avant de... alors qu'avant, ben, tu étais direct, tu allais direct donner un coup de main. Là, non, tu vas dire, écoute, non, c'est pas le moment, je n'ai pas le temps, je n'ai pas fini ce que je suis en train de faire, et puis ben, demande à quelqu'un d'autre qui aurait peut-être plus de temps à accorder, parce que moi, pour l'instant, ce n'est pas possible. D'accord? J'espère que vous avez pu comprendre ce que j'ai voulu vous dire. Donc, par rapport ici aux finances, on a une signature, ça je vous ai dit. Par rapport ici à... j'ai l'impression qu'il y a une envie ici d'investissement, et puis on ne sait pas tellement quel choix... Quelle décision prendre par rapport ici peut-être à un choix professionnel. J'ai peut-être l'impression que pour certains, vous avez une opportunité de choix en ce qui concerne une orientation professionnelle, mais vous n'arrivez pas à vous décider par rapport peut-être ici aux finances. Il y a quelque chose ici qui vient perturber. Donc, comme si ces propositions, elles étaient super autant l'une que l'autre, mais là on n'arrive pas à se décider. Et la seule chose ici qui pourrait trancher, voilà, c'est les finances. Mais j'ai l'impression que le salaire, il est identique. Par contre, c'est quelque chose en lien peut-être avec des déplacements où là vous seriez peut-être gagnant. À voir, mais là on voit que pour l'instant on est encore dans la décision. On reste encore en train de se tâter et on se donne encore quelques jours de réflexion. Mais c'est vraiment deux idées, enfin deux propositions identiques, quoi. Après, il faut écouter votre cœur, hein, ce qui vous dicte, hein. C'est comme je le dis souvent, hein, je suis pas Madame Irma. Hein. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Sur le côté ici, professionnel. Bon. Sur le côté professionnel ici, moi j'ai pas d'inquiétude, de soucis. C'est vrai que vous avez dû affronter un sacré virage. Pour certains, vous avez dû changer carrément d'orientation professionnelle. Peut-être aussi que vous avez dû entreprendre un déménagement. C'est aussi possible. On voit que c'est quelque chose qui serait encore dans l'actuel ou quelque chose qui serait en train de se préparer pour certains. Mais on voit ici qu'il y a un déplacement, peut-être un déménagement.
Mais pour l'instant, rien n'est certain. Tout dépend de ce que vous êtes de la lancée que vous allez faire ici, hein. Là, on essaie vraiment de construire quelque chose. C'est comme si on avait envie de faire un petit peu table rase du passé, en ayant compris toutes les difficultés, en ayant pris aussi toutes les clés, d'accord, pour affronter l'avenir. Mais j'ai l'impression qu'on a vraiment envie de, voilà, il y a eu un avant, maintenant il va y avoir un futur, d'accord? Pas après, parce que voilà. D'accord. On a ici dans une protection aussi angélique, donc il se pourrait qu'on vous aide de l'autre côté du voile. On essaye aussi de vous donner ce boost qui vous manque. On voit que pour certains, vous êtes énormément dans les prières et c'est quelque chose ici qui vous va bien, à savoir que par le passé, c'était une personne féminine et ce qui est en train de venir, c'est que peut-être que votre ange ou votre ange, peut-être que votre guide est en train de changer parce que vous changez aussi. D'accord? Donc il y a ici comme si on déléguait à l'autre. Hein, c'est comme si l'ancien guide déléguait au nouveau guide pour checker un petit peu comment tu es et tout ça, comment mieux se faire entendre, se faire comprendre, t'orienter, te guider. Il y a ici quelque chose qui doit être, qui est en train d'être checké de l'autre côté du voile pour ton évolution. C'est ça qui est beau. Et puis, qu'est-ce qu'on a d'autre? Pour ceux et celles qui sont célibataires, pour l'instant, on voit que n'y a pas tellement de rencontres dans l'actuel. Par contre, on voit que ce qui est primordial ici pour vous, c'est votre évolution professionnelle. D'accord? Et de fil en aiguille, les choses, elles vont se faire d'elles-mêmes. D'accord? Après, il faut comprendre ici, par rapport à ce verre, ça représente vos énergies. Et autant d'un côté que de l'autre, on voit que vous avez énormément besoin de vider votre sac. Vous avez besoin ici d'alléger votre cœur. Et je ne vais pas partir ici sur l'arrière du dos, mais c'est vraiment tout ce qui est pulmonaire, le second cerveau, les intestins et tout ça. Donc peut-être qu'il y a des choses ici à libérer. Verbalement pour que eh bien tous les autres organes puissent vraiment reprendre leur place comme si eh bien tous ces non-dits commençaient à oppresser, à compresser tout le reste des organes et que cela empêche un petit peu votre équilibre. Donc on vous dit ici vraiment de libérer tout ça et c'est peut-être une chose ici à faire. Vous n'avez peut-être pas voulu le faire par le passé, mais à un moment donné, ce sera quelque chose d'un peu recommandé, conseillé, recommandé ou conseillé. Ça peut être aussi en lien avec une gestation qui ne veut pas venir, hein? Un ras-le-bol que ça ne prenne pas. Donc voilà, j'espère que vous avez pu comprendre. On y va ici avec le tarot. J'ai pris le tarot au complet. Vu que samedi, vendredi au Moxie, ben, je l'ai utilisé. J'ai dû le reprendre aussi au complet. Quand je vais comme ça, j'ai toujours besoin du tarot total. Donc je vais le laisser comme ça. On y va ici en quelques cartes. Nous avons ici la reine de denier, objective par rapport ici à un projet professionnel, voire financier. On vous dit ici que c'est quelque chose qui est protégé. Vous arrivez dans l'aboutissement de ça. Pour d'autres, vous avez ici des rencontres sur le plan ici familial. Ça peut être en lien ici avec une festivité, en lien avec la famille. Je vous ai parlé d'un anniversaire. C'est peut-être en lien avec ça. D'une personne un peu plus avancé dans l'âge, ça peut être un grand-père. J'ai plus l'impression ici que c'est un grand-père, d'où peut-être la transmission ici d'un objet familial qui va ici être transmis. Qu'est-ce qu'il y aurait d'autre? Après, c'est clair que par rapport ici à un projet du cœur qui a été longtemps travaillé, longtemps attendu, qui a été vraiment
fait avec minutie, que vous n'avez jamais baissé les bras, là on vient aussi vous dire que vous arrivez à l'aboutissement et à la concrétisation de ce projet. D'accord? Donc on vient un petit peu confirmer ce qui a été dit, mais là j'ai plus l'impression que c'est en lien avec un anniversaire, un cadeau qui va être ici transmis de génération en génération. On passe le flambeau à quelqu'un d'autre de la famille, d'où on est ici dans la joie, dans la festivité. Donc, 9 de deniers et la force. Alors, ce mardi, c'est vraiment une journée sous le signe de la protection, de la réussite matérielle et professionnelle. Après, c'est clair, les petites pousses, qu'on est dans du général, d'accord, et que c'est pas on est en restant les bras croisés et en attendant que les choses, elles se fassent par le Saint-Esprit, que les choses, elles vont avancer, elles vont évoluer. Encore une fois, hein, vous êtes maître de votre propre vie et personne d'autre. On a beau vous donner les énergies, vous en faites ce que vous en voulez de ça, hein. Mais sachez que c'est un petit peu les fils qui sont devant vous et que vous pouvez à tout moment tirer dessus si cela vous convient ou pas, selon votre choix. On continue ici avec la triade. La triade vient ici vous parler d'une élévation qui a été longtemps attendue par rapport à un projet que vous avez envie, un nouveau but à atteindre. On continue. On nous parle ici d'une rentrée d'argent ou voilà, de retour positif par rapport ici à une personne ou avec des personnes qui ont dit du mal sur vous, qui vous ont trahi, qui vous ont menti. Et de ce que j'entends, c'est par rapport aussi à quelque chose qui vous a été dérobé, qui vous appartenait, mais que peut-être quelqu'un de la famille a essayé de s'accaparer et que là, ben justement, on a pu prouver A plus B que cela vous appartenait et c'est retour à son destinataire. Ici, on nous parle de pardonner. Peut-être quelqu'un qui n'a pas voulu vous dire. Alors, je vais vous dire le mot secret, mais j'ai l'impression que la personne, elle va se taire, enfin qu'elle s'est tue parce qu'elle n'a pas voulu ou elle se sentait inférieure à toi, d'accord? Et c'est comme s'il y avait eu après d'énormes non-dits. Et que tu en as voulu à cette personne. Et que maintenant, eh bien, tu vas comprendre le pourquoi. Hein, pourquoi cette personne, eh bien, elle a réagi comme ça. Et puis, bah, tu vas pouvoir lâcher prise. Et peut-être c'est toi, à ce moment-là, qui va devoir t'excuser. Parce que tu dégageais peut-être quelque chose qui mettait mal à l'aise l'autre. D'accord? Donc là, c'est pas toi qui vas recevoir des excuses. J'ai plus l'impression que c'est toi qui vas devoir en faire. Par rapport ici à la difficulté à laquelle vous n'arrivez pas à vous dépatouiller, j'ai l'impression que vous êtes toujours un petit peu dans un cycle assez merdique, hein, pardonnez-moi du terme, mais appelons un chat un chat. Et puis que vous commencez à fatiguer, vous commencez à en avoir ras-le-bol. Mais j'ai quand même l'impression, avec cette carte, que vous êtes dans cette dernière expulsion d'énergie qui vous reste, hein, comme si vous sentiez que c'était là, que c'était maintenant et que vous donnez tous les moyens pour réussir. Et puis c'est là qu'on vient ici vous dire, ben justement, cette dernière action que tu entreprends va justement aider à changer, à évoluer et surtout à reprendre cette vitalité, ce regain d'énergie qui te manquait par rapport à ce que tu as envie d'entreprendre. Si ça a été beaucoup de difficultés et tout ça, ben peut-être que là, tu vas entreprendre d'autres choses qui vont justement te donner cette énergie enfin libératrice où tu peux un petit peu poser les pieds sur la table, quoi. Hein, je sais que pour beaucoup d'entre vous, vous en rêvez de ça, mais sachez que c'est des choses qui viennent à vous. D'accord? Donc voilà, je vais juste prendre encore. Le Béline. Parti.
Alors, le belling vient ici nous parler des pourparlers, des discussions en lien avec un nouveau domaine, un domaine professionnel. Vu qu'on est avec le trafic, je pense que c'est en lien avec, voilà, vous allez peut-être signer votre contrat aujourd'hui, vous allez peut-être vous présenter à une place de travail. Donc, on est ici en train de trouver peut-être des accords en lien avec un domaine professionnel ou aussi peut-être en lien avec des démarches à entreprendre pour aboutir ici à quelque chose. Vis-à-vis de ça, on nous parle ici d'une signature de contrat. Donc, on est serein, on est tranquille, on sait que les choses, elles vont bien se passer. On continue. On nous parle ici de connaissance. Par rapport à cette connaissance, on a ici l'héritage. Alors, c'est quelque chose que vous connaissez déjà, que vous avez déjà. Ok, j'ai l'impression que vous allez chercher pour certains quelque chose en lien avec la loi pour justement. Comment je peux dire ça? On est dans du général, c'est magnifique. C'est par rapport à quelque chose qui se joue, pardon, dans votre vie privée. Et puis, ben, là, vous êtes en train de regarder quelle loi peut ici interagir pour vous, pour justement vous aider à pouvoir récupérer ce qui vous appartient ou alors justement montrer que vous avez raison quoi. Je n'en sais rien, mais c'est quelque chose ici en lien avec ça. C'est mettre en lumière quelque chose qui vous a été un petit peu enlevé, dépouillé, caché, déshérité. Voilà, je pourrais le dire aussi comme ça. On nous parle ici d'un bonheur longtemps attendu par rapport ici à une aide, à une protection, ça c'est cool. Donc, vous avez une protection, une aide par rapport à l'inconstance dans laquelle vous êtes. Ça vient un petit peu confirmer ce que la triade nous avait dit, hein, d'accord? Donc, on a un petit peu cette confirmation de ça. Et puis, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Bon, là, la carte ici, bleu turquoise, qui nous parle ici vraiment toute la négation, elle est effacée. C'est vraiment un petit, voilà, une petite inconstance passagère. On nous parle ici de protection de l'autre côté du voile, comme je vous ai dit avant, avec l'encromancie. Et ici, vous avez la grâce, donc une énergie assez positive qui va ici vous être apportée, donnée. Vous aurez la grâce. Ça veut dire que vous aurez un cadeau qui va ici vous être donné de l'autre côté du voile. Donc, il peut ici interagir de plusieurs manières avec vous. Donc, voilà les petites pouces. J'espère que ce petit tirage ben, vous aura parlé. Moi, je vous fais des gros poutous, m'amour. Prenez soin de vous et je vous dis à demain.